Bonjour everyone, hello and welcome back. In today's lesson, we will learn the French verb faire, which means to do, to make, or to be. We will learn the verb faire in the past tense, le passé composé, the present tense, and the future tense. Just to note that the verb faire can have different meanings in English, and this can be related to the verb to make, to do, or to be when we talk about the weather. In the past, it means I did or passé composé, j'ai fait, fait. We don't pronounce the T. In the present tense it means je fais, and we don't pronounce the S. It means I do. And in the future tense it means je ferai. It means I will do. And we will look at more examples to understand better. In the infinitive form, il faut faire. Très attention, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. And we do the link. It means one or you in general have to be careful. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. In the past tense, j'ai fait un gâteau aux pommes. Ce matin, j'ai fait un gâteau aux pommes ce matin. Let's repeat. J'ai fait un gâteau aux pommes ce matin. It means I made an apple cake this morning. J'ai fait un gâteau aux pommes ce matin. Qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce qu'il t'a fait Qu'est-ce qu'il t'a fait It means, what did he do to you Qu'est-ce qu'il t'a fait Like when someone is surprised, qu'est-ce qu'il t'a fait What did he do to you Nous avons, nous avons, but we say nous avons, fait du bon progrès. Nous avons nous avons fait du bon progrès. Nous avons fait du bon progrès. We have made good progress. Nous avons fait du bon progrès. Nous avons fait du bon progrès. Nous avons fait du bon progrès. Nous avons du bon progrès. Elles ont, bah tu sais, elles ont fait. Un excellent travail. And we do the link as well. Elles ont fait un excellent travail. They did an excellent job. Elles ont fait un excellent, excellent travail. Elles ont fait un excellent travail. Je fais ce qu'il me plaît. Je fais... Je fais ce qu'il me plaît. Let's repeat. Je fais ce qu'il me plaît. I do what I like or what, what I please. Je fais ce qu'il me plaît. Je fais ce qu'il me plaît. And here, we use the verb to be as well. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait chaud. Or, il fait froid. It means it is a nice day, it is hot or it is cold. Il fait beau, il fait chaud or il fait froid. It is a nice day, it is a hot day, it is a cold day. Il fait beau, and we say the letter E A U, we say O. Il fait chaud, and we don't pronounce the letter D. Il fait froid and we don't pronounce the letter d either. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid. Que fais-tu? Que fais-tu ce soir? Que fais-tu ce soir? Let's repeat. Que fais-tu? Que fais-tu ce soir? What are you doing this evening or tonight? Que fais-tu ce soir? Here we can see a different use of the verb faire. Comment ça se fait? Or comment se fait-il? Comment ça se fait? Or comment se fait-il que tu n'es pas à l'école? Comment? Comment ça se fait? Or comment se fait-il que tu n'es pas que tu n'es pas à l'école? Comment ça se fait que tu n'es pas à l'école? How come you are not at school? Comment ça se fait? And we can say sometimes you can hear comment ça se fait? Comment ça se fait que tu n'es pas à l'école? Il fait il fait, ses il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. It means he is doing his homework. Il fait ses devoirs. Il s'est fait couper les cheveux. Il s'est fait couper les cheveux. Il s'est fait couper les cheveux. It means he has had his hair cut. Il s'est fait couper les cheveux. Il s'est fait couper les cheveux. He has had his hair cut. Vous faites, vous faites de votre mieux. Vous faites de votre mieux. And we don't pronounce the X. Vous faites de votre mieux. You do your best. Vous faites de votre mieux. Nous faisons, nous faisons du sport. Nous faisons du sport. Let's repeat it nous faisons du sport. nous faisons du sport. it means literally. we are doing sports. but we say we are exercising. and you can see the letters a and i. we pronounce E when we say faisons. nous faisons du sport. in the future tense, je ferai n'importe quoi pour toi. je ferai. je ferai n'importe quoi pour toi, i will do anything for you. je ferai n'importe quoi pour toi. il fera, il fera beau la semaine prochaine. il fera beau la semaine prochaine. it means the weather, or it means it will be nice next week. il fera beau la semaine prochaine. Il le, il le fera avec plaisir. Il le fera avec plaisir. Let's repeat. Il le fera avec plaisir. He will do it with pleasure. And remember that the letter A and I means E in French. Il le fera avec plaisir. Ils feront le nécessaire. Ils feront le nécessaire. Let's repeat. Ils feront le nécessaire. It means they will do the necessary or what is necessary. Ils feront le nécessaire. Le nécessaire. Let's recap now the present tense, the past tense, le passé composé, and the future tense of the verb faire, which means to make, to do, or to be. Je fais, tu fais, for informal, tu fais, il for a masculine, elle for a feminine, it means il fait, elle fait. Nous faisons, nous faisons, nous faisons. Vous faites, for formal or plural or a group, we say vous faites, vous faites. And for a masculine plural or a mix or group, il means ils font ils font and elle for a feminine plural we say elles font in the past tense j'ai fait tu as fait il a fait elle a fait nous avons fait and we do the link nous avons fait vous avez fait vous avez fait with the link always ils ont fait and elles ont fait in the future tense je ferai tu feras and we don't pronounce the s. Tu feras. Il fera or elle fera. Nous ferons and we don't pronounce the s of course. Nous ferons. Vous ferez. Vous ferez. Ils feront and elles feront. This comes to the end of this lesson. I really hope you found it useful and will help you to conjugate the verb faire in the three tenses. Please don't forget to support me in subscribing, sharing, and liking or commenting. Merci, merci. Gros bisous à tous. See you soon in our next video. Au revoir.